L'unité de mesure. Elle est bête de cela. Et puis elle se passe à un comédien. Ma fille dit. La bosse. Non, 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 c'est pas la peine. Faut mettre dans le groupe, faut mettre dans le groupe en live. Non, mais c'est pas des coucou. On a la voix, hein, si il faut crier là. Ah là, ça c'est pas la garde républicaine, hein. On dit on veut plus de sirène au pays. Thank you.
cherche à se faire de la publicité. Encore à la maison qui nous suivent depuis le direct de la page de la Ligue, vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes à la rue d'Antonio devant NCI pour exprimer notre album. Le jeu n'est pas un jeu. Hier, il y a plusieurs femmes qui ont écrit sur les réseaux sociaux qui ont revécu encore ce jeu. Pourquoi vous avez ouvert des blessures de plus de 30 personnes? Qui va payer pour ces femmes-là? Qui va payer pour elles? Qui va penser à elles? Juste une émission d'excuses. J'aime eux. Nouvelle chaîne ivoirienne.
médias. Nous savons tous comment une émission est préparée, comment une émission est diffusée. Nous n'admettrons pas que vous ne jetiez qu'un animateur en pâture. Nous voulons tous les responsables de l'équipe, du directeur artistique jusqu'au cadreur, qu'ils répondent de leur acte. C'est trop facile de dire que l'animateur a dépassé les limites. Quelles étaient ces limites-là? Sortez et dites-le nous. Est-ce que vous aviez effectivement fixé des limites? Parce que moi, je veux avoir le nom de celui qui a eu la belle idée d'acheter le mannequin. Yeah! C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Bien vrai que nous connaissons très bien les phrases de Kim Dembélé qui n'est pas, comment on appelle ça, à sa première manœuvre. Mais ce n'est pas lui seul. Il avait une équipe. Il y a une équipe de production. Il y a des, je sais pas, il y a quelqu'un qui a validé. Il y a un chef de rédaction. On aimerait vous entendre, NC. L'émission que vous avez servie hier, là, franchement, c'est à vomir, c'est à vomir. Nous attendons un peu d'action de votre part. Et nous sommes là ce matin pour vous préciser. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon que vous avez de choisir ce que vous n'avez pas. Vous êtes allé trop loin. Donnez la parole à ces nouveaux qui ne savent pas. Comment est-ce que vous pouvez donner la parole à un groupe de gens qui ont été charmés de la voix de Vous faites mieux que là.
Non, les 7 jours d'attitude ne doivent pas être comme la Noël. C'est pas la Noël. On attend des actions. C'est pas normal que le ministère vienne juste dire qu'elle est insurgée. C'est pas normal. C'est pas normal. Que dit le ministère de la communication? Le ministère de l'éducation? Essayez, vous êtes foutus de nous. Et votre émission spéciale, vous êtes foutus de nous pour une deuxième fois. Vous avez violé, non pas seulement nous, mais aussi toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Peut-être que les hommes ne sont pas concernés parce qu'on n'a pas renversé le mannequin. Mais si on avait renversé le mannequin, ils allaient savoir ce que les femmes ressentent chaque jour. C'est pas normal qu'on nous dise que les femmes ne doivent pas sortir la nuit. Qu'est-ce qu'on fait si on travaille la nuit? Alors nous restons tous les jours au travail? Non. C'est pas cette société là qu'on aimerait pour nos enfants. On est désolé et c'est pour ça qu'on est là. On prie nos ras-le-bol. On en a marre. On en a marre de ces gens qui sont impunis. On en a marre. Moi, une fois, il faudrait que ça cesse. Les 7 jours d'activisme, c'est pas la Noël. On va chaque fois attendre. Dans les 7 jours d'activisme, venir et recommencer les mêmes choses qui possible. Les criminels, les comprendre. On en a marre. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Chaque jour, des femmes sont violées. Chaque jour, des femmes sont brutalisées. Il faut qu'on puisse le prononcer. On passe les seuls activistes pour inviter encore des activistes pour venir faire parade. Là, il faut parler sur une parade. Une parade. Parade creuse. On n'est pas des artistes. À quel moment on pense que rendre hommage à une petite qui a été victime de viol? À quel moment on pense qu'on peut rendre hommage à une petite qui a été victime de viol avec ce genre de trucs? À quel moment on pense à ça? Qui a eu même l'idée de même t'envoyer sur mannequin? Qui a eu même l'idée même de venir reprendre, on va dire, cette scène de viol? Et ils ont trouvé tout ça chic, c'était intéressant, tout le monde était content. Les chroniqueurs étaient contents, les chroniqueurs étaient vous, les femmes, vous étiez contents. Sur le plateau, en train de sourire, de poser des questions bêtes et idiotes aux violeurs. Pour que les violeurs aient au moment de voir. Jusqu'à quand on va nous célébrer, on va dire, les violeurs? Nous sommes tombés vraiment bas. Nous sommes tombés vraiment bas. Mais c'est quand la conférence de Beijing. Comment est-ce que tout ça peut se passer dans le monde? Pour le moment, le seul responsable qui est épinglé, c'est Yves Dombela, et ce n'est pas normal. C'est toute une chaîne qui a validé ce qui s'est passé hier. Le spectacle macabre auquel on a assisté, c'est la responsabilité de NC. On attend des sanctions dures contre cette chaîne, contre la rédaction. Tout le monde va payer. Il n'y a pas seulement Dombela qui est responsable de ce qui s'est passé. On réclame des sanctions. J'ai reçu combien de messages de femmes qui ont subi des viols et qui ont dit que ça a réveillé des traumatismes en elles. C'est odieux. On parle de personnes faites de chair et de sang qui ont souffert. On parle de personnes qui ont souffert, qui ont mal, qui ont vu leur viol être banalisé. NCI est responsable de la banalisation du viol en Côte d'Ivoire. Et ils doivent payer pour ça. Ce n'est pas un jeu et ce n'est pas seulement la responsabilité des féministes. C'est une affaire d'État. Tout le monde doit se saisir de cette affaire. Tout le monde doit réagir. Ok, il y a eu toute une foule qui s'est insurgée contre ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais ça ne suffit pas. On va continuer à militer, à demander que des sanctions dures. 30 jours de suspension pour quoi? Contre Yves Dombela alors que la chaîne a un avertissement, une tape sur les doigts. Alors que j'ai reçu des femmes qui ont pleuré dans mes oreilles pendant des heures à cause du traumatisme que ça a réveillé en elles, je refuse que ça se termine comme ça. Ils vont payer. NCI1, nous avons été choqués et déçus. On dira peut-être que je suis un homme et je suis parmi ces filles-là. Mais je soutiens la Ligue parce que ça concerne la jeunesse. Ça ne concerne pas uniquement que les filles. Parce que le jour qu'ils ont tourné, ils ont fait cette émission, il n'y avait pas que les filles qui regardaient. Il y a aussi les jeunes hommes, les petits garçons. Et donc, pour ceux qui ne connaissaient pas le viol, ils ont su vraiment ce que c'est que le viol. Vous les avez montré la technique appropriée pour violer les filles. Et ça, c'est mal vraiment. Parce qu'il y a certains même qui sont malades, voilà, qui ne sont pas bien dans la tête, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Mais vous avez montré, c'est comme ça qu'on attrape, jusqu'à montrer comment on saisit une fille et si elle a la tête, comment il faut faire. C'est vraiment inadmissible. Franchement, NCI1, c'est une émission qui... C'est une chaîne qui devrait plutôt, si elle veut aider la jeunesse, elle devrait éduquer. Qui parle d'éducation, parle d'inviter des personnes qui vont nous motiver. Ceux qui nous allons nous baser pour réussir. Mais vous envoyez. Comment?
nous sensibiliser. Mais vous envoyez des violeurs. Je suis quoi, vous dites ici un violeur. Il n'y a pas d'ancien violeur. Tu es violeur, tu es violeur. C'est que soit la peine que tu as subie, mais tu vas toujours violer. Parce que ta victime là, elle subit toujours les actes de tes actes. Les filles que tu les victimes, est-ce que, désolé pour le terme, est-ce qu'elles jouissent? C'est tout de malade, c'est méchant. Quand tu leur fais l'amour, on les violent. Quand tu leur fais l'amour, on les violent. Ce n'est pas en direct. Au moins, c'est en direct, on pourrait dire on ne peut pas stopper tout ce qui se passe. Mais ça a été déjà diffusé. Et ils n'ont même pas stoppé, ils sont venus. Oui, comme si de rien n'était. Même si on dit la jeunesse est vraiment bête, mais c'est pas comme ça. On t'a NCI! 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 Oui, c'est ça. Ce que je veux dire aujourd'hui, monte un peu. N'est pas une raison pour me brutaliser, pour me violer. Le fait que je sorte le soir, que je bois, je n'ai totalement le droit comme les hommes. Et ce qu'Anna Val disait, c'est tellement vrai parce que il y a des conférences de rédaction avant de commencer une émission. Il y a une écriture de script. Je pense en fait que Yves Demela était juste la balle qui est partie. Mais en fait, ça a été chargé, ça a été préparé. Et en fait, voilà. Et je pense en fait qu'il obéissait en fait à un script. Et le rédacteur en chef a validé ce qu'il a dit. Je pense que tout le monde doit virer, que ce soit le rédacteur en chef ou même le stagiaire journaliste. On s'en fout. Mais on pense que l'équipe a fait un très mauvais travail et devrait être sanctionnée. Ce n'est pas seulement Yves Dembella, je pense qu'il a rajouté quand même son sel. Mais je pense que toute l'équipe doit être virée parce que l'équipe s'est foutue de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Et en fait, la télé, c'est pour éduquer. La télé éduque également, c'est-à-dire qu'on peut se divertir, mais la télé éduque également. Et on ne peut pas accepter que dans un pays où en effet, chaque jour d'avancée, on tolère ce genre de choses.